Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un plaisir une autre fois encore pour nous ensemble pour nous présenter un programme dans la langue créole haïtienne. Jeudi, c'est mardi 17 septembre 2024. Un plaisir une autre fois encore pour nous ensemble. Quelques grands points qui ont dominé l'actualité. États-Unis, autorité dans la ville Springfield, dans l'État Ohio, prend nouveau mesure dans le gros tollé à cause d'accusations qui tombaient sous deux communautés haïtiennes. Actualité électorale aux États-Unis a fait influence au soir ingérence pays étrangers dans l'élection. C'est causé qui inquiète les partis républicains tant qu'au parti démocrate. Là. Et puis dans le pays d'Haïti, ambassadeur États-Unis Dennis Hankins et directeur ULCCA Jacques-Louis Joseph fait chita parler sur plusieurs sujets, parmi eux scandale corruption BNC qui impliquait trois conseillers présidentiels. Et oui, c'est point ça yo, avec l'autre encore que nous allons développer pour un petit moment. Merci d'être choisi VOA Créole. Vous faites bon choix. Actualité A, c'est autorité Springfield, on a parlé de l'État Ohio, qui a adopté plusieurs mesures devant gros tollé, sa parole en pile après accusation qui tombait sous dos haïtien et qui a vivre dans Springfield, dans l'État Ohio. Sandra Lemaire a dit nous plus. La police est à Ohio pour aider protéger l'école dans une ville qui fait face à plusieurs douzaines menaces violentes à cause d'un palais en pile qui gagnait dans tout le pays et qui soulevait colère migrants haïtiens. Le gouverneur Ohio, Mike DeWine, a annoncé la nouvelle lundi pendant une parade qui était faite dans Springfield. We have received, Il dit nous recevoir au moins 33 menaces bombes. Nous répondons chaque et nous joignons que toutes c'était menti. Hôtel de ville Springfield là, plusieurs écoles et bureaux l'État qui géraient tout ça qui gagne pour eux avec machine, avec chauffeur, t'es obligé d'évacuer ce même ça à cause de menaces bombes qu'ils ont recevoir. D'après le gouverneur, c'est un acteur étranger qui est responsable pour une bonne valeur non menacée, mais il refusait bail non aucun pays. Gouverneur a dit, policiers qui ont fait patrouille sur autoroute Ohio, pour aller camper devant l'école dans la ville à partir mardi et puis inspecter tout building l'école yo, chaque matin. Américain Bill Teeger et Paul Gomia t'est conduit à les Springfield sorti dans Middletown, Ohio, lundi, pour visiter restaurant haïtien qui relie Rose Goûter Créole. Yo dit c'était pour montrer support pour mon en ville. We drove up here from Middletown. Il dit nous venons ici de la sortie Middletown parce que nous vexés pour chaque passé ville la semaine passée qui fait bruit dans niveau national et même local. So we wanted to come up here to support, you know, a Haitian business. Nous voulons appuyer au business haïtien tout et puis faire un virage dans ville là pour garder qui Jean Bagayoye parce que image vous présentez dans niveau national sous ville là, yo l'air en pile. People are getting hurt and I don't like that. Li dit ça fait moun mal et moi pas aimer ça. Pas parce que moi c'est avocat, mais parce que moi pas aimer que moun pas ka travay, moun yo peur, gen menace bombe, c'est un bagay complètement fou. Springfield annulé célébration diversité art et culture que li fait chaque année à cause menace. Springfield a attiré attention en pile monde ça pas gain longtemps après ancien président Donald Trump à colistier li JD Vance te mette piplis passé ça qui gagnait le yo te bay menti comme quoi migrants haïtiens yo a mangé chat chien axwa moun villa. Président Joe Biden exprimé support li pour communauté haïtienne nan n'a pas l'élite fait à la presse dimanche. I want to take a moment to say something like so many Americans like Karine. As he pointed out, a proud Haitian American. Il dit moi t'as même pas un moment pour dire un bagage pour Américain tant que Karine Jean-Pierre qui fier de ce que c'est une haïtienne américaine, une communauté qui en bas attaque pour nous là dans le pays nous. C'est un bagage qui pas correct. Pas de place pour bagage comme ça aux États-Unis. Faut que ça suspende. Porte-parole Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, tout t'es parlé sous ça pendant rencontre li avec la presse. I take it personally when any vulnerable community is attacked. Li dit moi considéré tant qu'une attaque personnelle, n'importe qui l'a attaqué, une communauté qui a un problème. Ce n'est pas seulement une communauté pas moins que moi si elle le mais n'importe qui communauté fragile que l'a attaqué avec méchanceté ou façon injuste. Sandra Lemaire, VOA Créole, Washington.
Docteur, nous capables d'un pile réaction qui continue à enregistrer par rapport à situation ça dans Springfield, dans l'État Ohio. Par exemple, gain plusieurs Haïtiens à Miami, ils ont même réagi et ensemble avec accusation ça y et dans micro Luxon Saint-Ville, citoyen ça y dit, yo ouais dans ça qu'a passé là, ils ont démarche politique dans occasion élection qui vient pour dérouler dans mois novembre Kevin là c'est habitant Miami mandé compatriotes Ohio pour être très véatif très prudent Luxon Saint-Ville. C'est avec un pile d'indignation haïtien qui vivent Fort Lauderdale avec Miami réagit dans micro VOA créole par rapport à ensemble de critiques y a porté contre haïtien dans Springfield dans Ohio. Pour un pile de citoyens ça nous parler à qui ça y a reproché haïtien pas rentrer dans la culture. Non. Pour un pile là-dedans, c'est un jouet politique qui a fait. Critique ça m'a vu là, il fait vraiment mal parce que l'autre, il a jeté un bail qui. Il a jeté nous manger chien, nous manger chat dans le pays, nous ne pouvons pas faire. Les balais nous viennent dans le pays, nous ne pouvons pas manger chien, chat, nous ne pouvons pas manger chat, mais dans le pays, nous ne pouvons pas faire ça. Au connaît. Blanc, blanc, on va faire blanc qui est raciste, si on a besoin de faire capital politique, il y a juste lagué ça pour nous, il n'y a pas passé. L'OTAN des type de propos ça question de manger chien manger chat on connaît que grand pile monde qui a fait blague ensemble avec lui surtout en Haïti ou après sur les réseaux sociaux après grand pile monde qui a fait blague ensemble avec bagaille là qui a dit ah bon OK nous aimer manger chat vrai les nèg fin boire clair il faut qu'elle mange chat tout dit ouais ça me dit c'est un aspect politique parce que et à l'autre bois j'ai l'impression c'est un état républicain sure, donc ça vient faire que tout autant gain plus noir et immigrant qu'après l'autre bois mais qu'a plus vienne sembler à qu'on état démocrate. Mais ça nous même nous là. Regardez même les besoins bon. Mais c'est des besoins bon. Des besoins bon, c'est pas ça t'a metti pour tous ces citoyens ici. Tout côté nous dans pays il y a des pour parler ton côté ou par exemple on va faire une application pour travailler quelque chose qui a regardé nous mal il y a pas malgré haïtien ça yo manger chien yo manger chat yo manger toute vieille bête cannibale yo il pas belle pour communauté nous moi vraiment pas apprécier lui et année ça bon moi pas voter pour année moi voter pour démocrate parce que faut bagarre ça finir dans pays il y a bagarre ça c'est bail raciste lié nous pas ramener faut nous tout haïtien camper pour nous mettre ensemble pour nous dire non ça fait dans le pas bon pour nous capable au moins garantir respect par rapport justement à sensibilité qui gagne dans question ça. Citoyen en Floride yo mandé compatriote yo dans Springfield Ohio pour yo rete calme et puis faire en pile prudence. Yo rete calme, yo pas fait tête chaud, comprenez? Et ça nous ta souhaité et tout moun a porté main forte ba yo. Haïtien son peuple qui gen force, qui gen courage, c'est prend la débois et puis et si nous gens que nous te kon comportement yo surtout changer de comportement, changer mode de vie yo. Bon, pour mon yo just pour yo ta rete calme, pour yo calmer yo et puis prudent dans la rue d'ache. Compatriotes ça au penser situation ça, c'est un moment idéal pour tout haïtien ta mettre tête ensemble pour yo rebâtir pays yo. Depuis Miami, l'État Floride. Luxon Saint-Ville, pour VOA Créole. Merci Luxon Saint-Ville. Nous parler dans le pays d'Haïti, côté que gain réaction, indignation, et surtout dans la zone métropolitaine, dans Port-au-Prince, côté correspondant nous, dans Port-au-Prince, Renan Toussaint, t'es parlé avec quelques leaders communautaires. Youn après l'autre, Ribert Nonsan, Méonel Méosier, respectivement président et porte-parole, plateforme politique Force Canapé Vert, ak Saint-Jean Matelmi qui c'est président parti politique Noudra. Gen en pile monde qui parle dans diaspora qui dit que c'est menti. Qui côté peuple haïtien t'a pral touyer chien pour le manger. C'est diversion. Donald Trump a fait nous mandé diaspora système moun sa yo pas voter yo l'autre bois et ça nous mandé. C'est vle yo pas vle ouais nous. Ça que fait yo pas vle ouais nous. Parce que jodi a les États-Unis pas reconnaître l'indépendance Haïti. Jodi a malheureux malheureux pas qu'à vivre. Jodi a nous on peuple c'est en battant qui est-ce qui participe c'est le Canada la France. Jodi a n'a dit c'est bien côté mal calculé. Peuple haïtien c'est peuple qui est cœur, c'est peuple qui connaît souffrir, nous pas manger chien, nous pas manger chat. Et yo ka dit n'importe bagaille et quoi dans peuple haïtien. La question a fait chier. C'est son faiblesse de l'État haïtien, à savoir les autorités étatiques qui construisent ça produit derrière. Comment vous voyez ça, mon chien? Vous êtes déceptionné.
C'est une question de discrimination. Parce que l'idée nous est là-haut, c'est l'argent, ouais, il n'y a pas d'être humain dans le pays. Saint-Jean Matilmi mandé conseil présidentiel transition avec le gouvernement Gary Conny à diriger pour exiger excuses publiques dans les États-Unis d'Amérique par rapport à ça, il a dit sous migrants haïtiens qu'elle considérait comme un acte discriminatoire. Ou en a tout ça pour VOA Creole, Port-au-Prince. Vous toujours souvenez ou à Creole, vous suivez un programme dans la langue créole haïtien. Actualité à ce point international dans un petit moment. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer actualité internationale là et surtout actualité électorale là ici aux États-Unis. Eh bien, gagnent ça fait influence ou bien ça nous les ingérences pays étrangers dans élection présidentielle aux États-Unis. C'est un sujet qui porte inquiétude ni qu'à républicain ni qu'à démocrate. Et Jean-Aubert Philippe a suivi de très près pour nous et actualité électorale là ici. Jean-Aubert, et déclaration, eh bien, inquiétude ça a fait dans le moment que gain pays tant que la Russie, Iran, la Chine, ils ont même essayé d'influencer l'élection américaine et t'as semblé même qu'ils ont fait ça déjà et ils voulaient continuer. Oui, effectivement, je dis, en tout cas, pour la dit, c'est pire qu'on prend devant. Donc, l'administration américaine prend devant pour voir s'il est capable au moins limiter les dégâts que l'ingérence pays étranger, tant que la Russie, la Chine, avec l'Iran, est capable de faire pour affecter le résultat de l'élection. Parce que, d'après eux-mêmes, probablement, ça qui parle passé, il est capable de pas d'intérêt. Donc, États-Unis prend devant, quand ils commencent à dénoncer même l'ingérence pays étranger et son bail qui, en l'inquiétude, que ce soit à ses côtés démocrates ou bien côté républicain. Course présidentielle américaine continue à faire route li, plus n'a pas rapproché sous date finale là, malgré présence de ces acteurs étrangers qui a visé électeurs pour chercher à influencer les résultats. Candidat républicain Donald Trump déclaré n'a pas sauvé l'économie pays, n'a pas sauvé la classe moyenne. Candidat parti démocrate là, Kamala Harris, parle pour dire il est le temps pour une virer page là. D'abord, l'autorité américaine a réussi à entrer dans la compétition. Le ministre de la Justice américain, Merrick Garland, déclaré President Vladimir Putin's inner circle, qui vraiment proche président Vladimir Poutine, Tokou Sergei Kirienko, mandé compagnie relations publiques russes pour yo encourager des informations et paroles que l'État patronné dans le cadre d'un programme pour influencer l'élection présidentielle États-Unis 2024. Dans le cadre de d'après l'accusation États-Unis, il y a plusieurs douzaines de sites nouvelles qui ont influencé la façon électeur américain réfléchi sur questions qui pi important yo. L'autre partie a impliqué réseau média l'État russe RT qui t'a gagné comme travail pour lui transférer presque 10 millions de dollars par un média qui est basé aux États-Unis. Matthew Miller, porte-parole du département d'État, parle vous dit pour vous et des millions de dollars par américains qui parcourent en plan pour faire passer message Kremlin pour influencer l'élection américaine yo et puis miner la démocratie. Là aussi, démenti accusé son saio. Pour le parole ministre des Affaires étrangères de la Russie, Maria Zakharova, parle pour dire ça c'est russophobie. Qui donc, ces paroles, monde qui raillit la Russie, c'est une attaque sur la liberté de la parole, c'est discrimination et puis c'est jouet qui pissal États-Unis a joué avec moun nan pays a kap travay en bachal pour manipuler élection. Autorité américaine yo voye jeté bien loin accusation sa yo que yo considéré comme une plaisanterie. Évaluation du document que yo été dans catégorie secret qui déparaît en public dans commencement mois qualifié la Russie comme menace étrangère qui pi actif dans élection qui pral fait là pour renforcer chance ancien président de Donald Trump. En plus de la Russie, nous jeune Iran. Ministre Justice là, Merrick Garland ajouté, nous observer activité agressive Iran qui augmenté en pile pendant élection. Activité iranienne a cherché compromettre tant pas ancien président Donald Trump pour éviter un résultat qui ca contre intérêt.
Dirigeant dans service renseignement américain yo fait qu'on est la Chine a dirigé une campagne média social tout petit pour réduire chance candidat qui compte Pékin. Mais est-ce que effort États-Unis pour décourager activité ça yo, c'est une question. Margaret Talev, cap enseigné dans l'université Syracuse dans New York, parle pour dire suivre, mais vraiment l'important pour électeur comprendre ça qui passé à une façon pour capable éviter servir comme un pion. Activité ça yo ba américain en pile pour réfléchir dans moment il a paru pour acheter bulletin dans prochaine élection. Joubert Philippe veut Creole, Washington. Merci Jean-Robert Philippe. Eh ben, dans la région Moyen-Orient même, la situation a toujours été compliquée. Moun kapabwe image, côté palestinien, yo même yap essayé éteindre du feu après yon explosion qui fait dans la zone Gaza, plus précisément dans le camp Burège. Et puis, pendant ce temps, il y a plusieurs centaines de membres Hezbollah qui yo même blessé, jodi madia, à cause d'une explosion que l'armée israélienne n'a fait. Et il faut dire qu'il y a 8 personnes qui mourent dans le groupe islamiste libanais et il y a la guerre responsabilité à Soudo Israël. Et puis, attaque, explosion, ça a fait quelques heures après que Israël annonçait que, guerre qu'il a fait contre Gaza, il prend l'autre dimension, côté libre à plus sous frontière que Liban partagé avec Gaza. Donc, c'est comme ça la situation est dans la région Gaza avec sang qui continue à couler et Batala qui apprend l'autre extension pendant que l'Occident lui-même toujours gagne espoir capable de jouer cesser le feu pour mettre fin à la guerre Israël-Hamas. Vous souvenez ou à Creole, vous suivez un programme dans la langue Creole haïtienne. Ambassadeur États-Unis dans le pays d'Haïti, Denise Hanskin, rend visite à elle lundi 16 septembre 2024 là, avec le directeur général Unité Lutte contre Corruption, Anne Ludwig Joseph. Une rencontre qui fait, dans le moment côté institution, ça a mené une enquête sur allégations corruption qui impliquait trois conseillers présidentiels, Louis-Gérald Gilles, Smith Augustin et Emmanuel Vettilaire. Visite ça, son visite de coup de croisée, selon publication sur compte X, directeur général ULCCA. C'était l'occasion pour deux responsables de discuter cordialement sur le travail institution, suivi rapport enquête avec nouvelle piste coopération. Visite ça venait dans un contexte particulier côté ULCC apparaît pour une conclusion enquête sur allégation corruption qui visait trois conseillers présidentiels, en l'occurrence Louis-Gérald Gilles, Emmanuel Vertilaire et Smith Augustin. Monsieur Sayo, il y a une accusation sous le bon côté Raoul Pierre-Louis, ancien président conseil administration BNCA, comme quoi il a exigé pour le bail 100 millions de gouttes pour capable garantir poste. Dossier ça, n'a pas souligné actuellement secoué toute sphère politique là. Côté l'Iran, conseil présidentiel transition quasiment dysfonctionnel. Il y a diverses démarches acteurs à entreprendre une façon pour capable remplacer Mamio dans KPTA à l'exception de Petit Dessalines qui lui-même pour comprendre aucune décision jusqu'à présent. Selon dernière information yo, ancien président conseil administration BNCA risque gros si toutefois li pa ta répond nouvelle convocation ULCCFL semaine ça. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Merci Yves Manuel, c'est correspondant de Port-au-Prince et question et gros scandale ça BNC avec CTPA et ben continue rester dans actualité avec chaque jour rebondissement qu'on y en attend. Est-ce que qui ça ULCC pour le faire? Il dit que le mot du doigt a sorti dans cadre et dossier ça. Et puis il y a un autre point dans actualité concernant pays d'Haïti, il y a un groupe syndicaliste qui manifestait devant Villa d'accueil là pour dénoncer façon CTPA ou bien 4 KPTA, et bien choisi membre KEPA. Massado Vilme, c'est correspondant VOA Creole. C'est une ça, c'est pour exprimer des accords face à processus pour désirer un représentant secteur syndical là dans le conseil électoral provisoire.
syndicalistes protestataires ont demandé pour conseil présidentiel transition respecter choix Rodolphe Pierre qui pourrait présenter au KIPA. Conseil présidentiel là, il était annoncé que à chaque secteur pour yo capable désigner un monde. Mais ça fait yo écrit une grande entité dans le secteur qui c'est Kochako. Pour te choisir mon nom et puis monsieur Kochako yo fait un coquin, yo mal fait choix. Matin, présence nous là en face CPTA, c'est pour dire monsieur Damio arranger yo secteur syndical là pour qu'on représente en tant qu'APA par rapport au mauvais comportement et puis jouer vicieux José Mérilien à régler avec Kochako. Nous pas qu'à négocier élection dans pays yo pays qui très difficile, yo pays qui a un paquet de problèmes, yo pays qui a des problèmes moun. Nous pas qu'à prendre n'importe qui pour nous mettre représenté nous en dans secteur syndical là pour aller faire élection dans le pays. Donc nous pas qu'à tourner dans le côté que nous y est là aujourd'hui. Donc monsieur Pierre Rodol, c'est un nègre côté que c'était gagner confiance dans lui qui pral représenter secteur qui pral faire travail là valablement. Professeur Josué Mérilien qui est dans cité dans soi-disant manœuvre ça nous t'ai contacté dans téléphone confirmé pour dire nous c'est syndicaliste Sanon Emode qui choisit pour représenter secteur dans KIPA. Pendant le voyage j'étais toute accusation qui planait sous dol dans cadre démarche ça. Nous devons rappeler le mois juillet passé, dans le cadre d'élection collective syndicat haïtien pour respect constitution été organisé, M. Sanon a déjà joué une bénédiction à l'Assemblée avec 70 voix contre 21. Cependant, Chiré Pitila, pas seulement dans le secteur syndical, il y a une conférence pasteur haïtien qui reproche la Fédération protestante qui agit de façon unilatérale dans le cadre de démarche pour désirer un représentant qu'il dans le Conseil électoral provisoire. VOA Creole, Port-au-Prince. Oui, ou toujours sauvé au Creole, yon l'autre point encore dans actualité à concernant le pays d'Haïti, gen yon nan 5 cas nan moun qui était victime nan explosion Miragouane nan qui était transféré nan l'hôpital Immaculé Conception au Kay, eh bien li mouri. Nous allons rejoindre et correspondant Jean-Ernst Eliska qui gen l'autre détail encore sous question. Parent 5 nan victime explosion citen gaz Miragouane qui était transféré dans l'hôpital Immaculé Conception au Kay, critiqué personnel HICO, yo di ki pa bay victime yo assez soins pour soulager souffrance yo. Quelques parents a expliqué. Vraiment pour mieux jouer, yo di, yo pa ka di, yo chouchouté. Mais depuis hier, les mauvais là, yo a même pas d'aller de sortir, yo a quoi là, yo se veut en bas, yo pa d'aller yo a veut. Sou ta rentre an dan pou wè fò di sa yo. Nou konnen boulè pa men la mi prop. Sou bagay tout an pou nan prop te. Nou san mi, si nou batalye, pou moun nou komanse chan di boulè. Yo vin blanche. Yo pa prop te yo. Yo pa prop te yo. Depi yo bayo serum, kon mwen di nou. Men, pendant yo bayo soin an dan, pa yo bayo soin pou tou. Yo pourri nan men nou, yo sorti, yo pa fè pansman pou yo. Bagay la sorti. Kouye nan pye yo la, ya pou yo mette serum nan, depi la yi te serum nan sorti. Si pou yo yo pou yo mette serum nan pou frem nan, yo pa mette nan. Yo mèm jouè yo ti la mèd. Parmi 5 nan viktim yo ki te nan l'hôpital la, gen yon la dan yo ki mouri. Administrateur l'hôpital Immaculé Conception au Kay, Henri Girard dit Jean-Luc reconnaît l'hôpital là pas gain assez structure pour recevoir kamoun ki boulé yo. Cependant, il fait qu'on est il fait tout ça yo capable pour recevoir victime yo. Et nous fait tout ça nous est capable, nous mettez tout ça nous de gain qui fait à disposition pour prise en charge des faits. Et directeur et chef de service chirurgie et soupiel tout pendant là c'est le professeur Boyo c'est lui qui fait tout bagage mettez moustiquaire fait tout ensemble de bagage mais c'était des cas qui vraiment et c'est ça me dit qu'a dépassé l'hôpital pas technicien dans la matière pas qu'à avancer de trop grande déclaration là-dessus mais samedi ouais m'pa quoi nous j'ai structure suffisamment qui te carré sur Boyo correctement bien. D'après un rapport partiel Centre Opération d'urgence nationale publié
il y a 27 personnes qui mourent, 42 autres blessés, parmi eux, il y a 20 blessés 3e degré et 15 autres 2e degré. Explosion a détruit 16 motocyclettes. Jean-Ernst Eliska, VOA Creole, Okaï. Merci Eliska. Dans célébration 20e anniversaire professionnel haïtien AHP, membre organisateur honoré plusieurs professionnels dans la communauté. Yon grand monde haïtien qui gagne 100 l'année avec groupe musical Tabou Combo dans Washington DC. Gentil Augustin Junior, t'es présent. Dans le 20e anniversaire AHP, qui c'est Association Haïtien pour professionnels, côté que yo toujours réuni pour yo célébrer ensemble. Et dans le 20 ans, yo t'ai honoré plusieurs professionnels haïtiens qui dans différents domaines, gagnent ces médecins, gagnent ces agronomes, gagnent ces professeurs l'école, gagnent tous ces écologistes. Mais nous t'ai arrivé parler avec quelques professionnels ça yo qui t'es présent dans l'activité à. Yo t'ap di nou a ki sentiment yo même yo te recevoir award ça. Assoyan, m'très fier que yo choisi pour award ça parce que ça fait longtemps que m'étais très jeune, m'étais 21 ans, ça fait longtemps que m'étais en membre dans organisation ça et que kounya pou m'vin tourner comme en tant que professionnel et que yo choisi pour professional achievement award. Le fait que moi recevoir plaque ça démontrer que yo reconnaît le travail que nous fait. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes première génération des pionniers de la communauté haïtienne. Je ne suis pas capable d'un award. Les gens qui ont dit que ont choisi parmi les gens que ont fait le bail aujourd'hui, je suis vraiment saisi parce que je travaille avec eux au commencement de l'année pour aider les artisans haïtiens qui ont collé là. Gilles Charleston, un membre fondateur de l'Association professionnelle haïtienne, expliquez VOA Creole processus sélection professionnelle ça yo. Nous développer des catégories de prix que nous pensons qui est important pour nous-mêmes en tant qu'association, en tant qu'haïtien. Diaspora, engagement diaspora avec Haïti, c'est une catégorie. Accomplissement professionnel sont l'autre catégorie. Et services communautaires sont l'autre catégorie que lié. Potomitant pour préserver héritage nous sont l'autre catégorie que lié. Et en même temps tout nous gagner esprit entrepreneurial. Qui sont leurs catégories. Donc, en total, nous gagnons 5 catégories. Au-delà de ça, je dis à tout, nous te baillons des prix mérités à Tabou Combo, qui sont légendes dans la communauté. Nous baillons, on prie tout à un centenaire, une haïtienne qui gagne 100 ans, année ça. Comme nous-mêmes, nous pensons que l'homme nous ferait 100 ans d'existence, son bénédiction liée. Yves Joseph, alias Fanfan Tibot, membre fondateur Tabou Combo, recevoir distinction groupe là ensemble avec l'autre musicien yo et Diveo à Creole à qui sentiment li recevoir. M'a dit ah merci et c'est ton surprise même pas comme ça t'arrivé et le bon trophée j'ai en anglais m'étais speechless parce que pas ça m'était dit parce que m'a attendre même pas préparer rien. Comité AHPA déjà lancé invitation pour 21e édition gala association. Pendant n'a rappelé soirée 20e nan té chargé ak ambiance. Donald Théodore, yon jeune chanteur, musicien haïtien, té animé public là. Avant Tabou Combo, té fait main soirée ça ak bon Jean Compa direct. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Donc, gentil Augustin Junior avec Jean-Marc Hervé Abella, de Monsieur Sayo, t'es présent dans l'occasion Gala ça. Donc, rendez-vous, c'est pour l'année prochaine, pour l'autre gala annuel, tant que vous faites chaque année. Merci pour attention, nous. Merci pour fidélité, nous. C'est un plaisir, comme d'habitude, pour nous te présenter au programme là. Pendant ce temps, on match Real Madrid cap joué là. Real Madrid a Stuttgart cap joué. Et la dernière fois, on t'a gardé, on était 1-0. Et Real Madrid 1-0. Reste là, pas qu'on aime, parce que nous, en direct. Donc, nous disons merci pour attention. Nous disons Chang Wang, merci. M'koué, c'est Franklin qui l'a. Et Zamino, merci Franklin. Et puis, Jean-Marc Hervé Abella, qui c'est chef pupitre là, nous dit le merci. Donc, rendez-vous, c'est pour demain. Pour un autre rendez-vous info, moi c'est Jacqueline Bélizère, cap salue nous et nous connaît, qui remet nous en pile. Merci et à la prochaine.
pour raison que arrêté monsieur Sayo et qui parti groupe gang yo te fait et qui je t'a opéré dans Okaï dans divers côtés dans département Sud d'Haïti. Désir Venesse gain porte-parole adjoint la police nan. N'a parlé de Lionel Lazare. Monsieur pote explication sous arrestation et on dit un responsable la police qui c'est monsieur Gauthier dans tabac et bien Lionel Lazare expliquer raison qui fait que il arrêté monsieur Gauthier. Nous prenons venir avec Lionel Lazare et nous prenons détailler ça zami internautes nous. Je ne connais déjà la police nationale d'Haïti, l'armée d'Haïti et support mission 1, ils ont continué à travailler pour capable arriver établir sécurité la paix en dans pays dans surtout dans zone côté que mandi même ils ont contrôlé Désir Venesse. Désir dans dossier haïtien qui vivent aux États-Unis et surtout dans état Ohio dans Springfield. Eh bien, gen petit garçon Donald Trump là, premier petit garçon Donald Trump là, qui c'est Donald Junior Trump. Monsieur fait qu'on est dans une interview que ben avec un média aux États-Unis. Monsieur dit que immigrants haïtiens yo, yo moins intelligent parce que tout l'autre peuple qui rentre aux États-Unis. Monsieur dit immigrants haïtiens yo yo moins intelligent parce que tout immigrant qui entrait aux États-Unis. Monsieur dit clairement tout. Haïti son pays pauvre, un pays misère, un pays grand goût, un pays souffrance. Et je dis, administration Biden Harris prend moun sa yo pour entrer aux États-Unis, côté que yo pral ki pour convertir les États-Unis en un pays misère, un pays pauvre, seul pour me répéter Donald Trump Jr. qui c'est premier petit garçon et Donald Trump. Dans la question tentative assassinat qui fait sous ancien président et Donald Trump et actuel candidat à la présidence États-Unis, eh bien, dans dimanche qui était 15 septembre 2024, là, dans le golf que M. Gagne dans l'État Floride, côté que service secret a été remarqué pendant que M. Abdistrel dans le terrain de golf, là, il a été remarqué un prêt d'âme qui n'a pas rage dans le périmètre côté golf, là, et il a tiré sous dans la direction, direction ça, eh bien, on dit présumé assassin, M. était couru, il a arrêté M. il a 58 l'année, M. le Ryan Wesley, et M. c'est un nec qui a arrêté, et M. a déjà passé devant autorité judiciaire, journée qui c'est lundi 16 septembre 2024, l'an des Ivenesse. Nous prenons regarder ça, Claude Joseph de Aide. Monsieur déjà voyé choisi un certain de Claude qui ça pour aller représenter Smith Augustin. Bah, la compliqué des Ivenesse, mon frère. La situation initiative continue, bon côté ministre Affaires étrangères pays d'Haïti, Dominique Dupuy, dans l'idée pour capable récupérer AK indépendance pays d'Haïti, côté il y a diverses rencontres qu'elle a fait avec surtout dans Angleterre, elle continue à regarder tout dans relation qu'elle a développé avec d'autres pays comme ministre affaires étrangères paysan qui a permis à Kéoshita sous question insécurité que pays a fait face surtout le Brésil qui a annoncé que cap participe dans question frontière, dans question port, aéroport pour question armes cap rentrer en dedans pays. Une situation qui paraît très difficile qui inquiète moun en pile malgré modèle opération que la police a fait dans Badelma, dans Solino, dans Cité Soleil, dans Bel Air, et même Blaise Peterson, bandi yo continue gen yon ensemble espace que yo contrôlé qui permet que population pratiquement gen gros inquiétude pour yo retourner la caillou. Ça permet à que chaque grand citoyen haïtien qui en dedans paysan, ak dehors paysan, a posé question. Qui résultat opération la police a fait là yo vraiment porté? C'est vrai, yo wè des images, yo wè des vidéos. Côté militaire, force l'armée d'Haïti a désengagé des espaces que barbecue. T'es arrangé, t'es écrasé zone ça yo, après militaire utiliser stratégie pour mettre bout de sac, pour mettre adoquin, pour au moins que capable contrôler la situation. Il y a des hangars que barbecue t'es construit dans Badelma, que force la médaille prend contrôle yo, même gens avec la police. OK? Pour continuer qu'à permettre que sécurité retourne en dedans pays ya. Non, Miragouane, la situation. Commissaire Jean-Ernest Miscadet, li dit le pape by vague, li expliquer qui Jean le fait venir commissaire. Et devenir le commissaire du gouvernement, qui j'en ai déjà un support, nommé président Jovenel Moïse, qui permet qu'elle baille résultat, et qu'elle gagne diaspora, qui te soucie de travail par l'IA, il dit depuis après Jovenel Moïse fin mourir, la cible de persécution par rapport avec travail de l'affaire dans la communauté. Population en grandance, qui te lance opération nettoyer grandance, sans doute, les personnes grandance fin nettoyer.
Parce que moun yo c'est gros activité, moun yo fait gros fête entre yo 14 qui se passe là pour montrer qu'il a célébré par rapport avec plusieurs bandits qui vivaient vallée à Binessensio. Responsable dans la police dans sud pays a Blaise Peterson yo présenté pour un trimestre. C'est 618 moun qui ont metté en bas code. Nous croyons responsable pour avoir plus de détails dans l'émission Calfou Vérité pour permettre que vous connaissez. Dans ce qui concerne la politique du pays d'Haïti, Blaise Peterson, retirez pied, bon mettre pied pam, c'est ça, cap manigancé dans le conseil présidentiel de transition. En pile, nous quittons bras sous bras avec Dr. Louis Gérald Gilles. En pile, nous quittons bras sous bras avec Smith Augustin. En pile, nous quittons bon côté Emmanuel Vertilaire. Yo tapre tant que Emmanuel Vertilaire, yo tapre tant que Louis Gérald Gilles, yo tapre tant que Smith Augustin commettre un impair pour eux-mêmes yo te prendre place. C'est ça qui permet ou après plusieurs membres dans accord 21 décembre, ou après plusieurs membres dans petite Dessaline, plusieurs membres dans aider Red compromis historique même qu'on ouais Red avec compromis historique dit pas dans révocation, pas dans retirer, même la situation pour qui pour. Chaque temps ça va arranger ou a concerté entre eux pour bail conseil présidentiel yo, yon coup dans dos. Cependant, gen information qui fait quoi, c'est nèg yo qui t'a voué mander 100 millions de gouttes qui fait scandale parce que Raoul Pierre lui ancien et président conseil d'administration de NCA, c'est pas trop liquide passer ça. Il y a diverses organisations qui prennent très au sérieux menace haïtien yo a fait face dans Ohio dans Springfield yo faire d'office de défense surtout organisation qui dans international la cap défendre droit monde les personnes yo dit tant que yo te fait les ont porté accusation sous les haïtiens sous ça qui gain pour avec question sida yo dit a accompagné yo c'est vrai yo qui doit parler et non procès éternel avec Donald Trump avec les républicains, mais il a fait respecter les droits haïtiens qui a violé là-bas. C'est même ça, il y a des organismes qui pratiquent une position sur ce qui a passé compatriotes haïtiens en République dominicaine. Blaise Peterson, il a dit non, Luis Abinader, pas de continuer à faire peuple haïtien pour des situations très difficiles. Blaise, moun la caille, moi, dirigeant la Tibonite, qu'on ait des situations très difficiles pour journée 16 septembre qui se passe. Surtout si là, au cap vive dans la localité Pont-Benoît. Dans la localité Guéro, dans la deuxième section communale de Rivière Latibonite, il y a eu une mauvaise nuit, dans dimanche pour ouvrir lundi. Eh bien, Blaise Peterson a été fragile. Bansi Basgan qui fait bouler plusieurs cailles, il y a kidnappé plusieurs mouns, il y a plusieurs mouns qui vivaient perdre la vie, il une situation qui permet que la population passe à se faire lever voir pour demander autorité, dans le bureau commandement, la police, dans le gouvernement, qui s'apprête pour au moins venir porter au secours dans la cité de Tapio. Rivière Latibonite, à la cité de Tel Toussaint, qui s'est commis en cours, car on a des situations très difficiles et pas en fait quoi, il y a beaucoup de qui ont réouverture des classes après le possible, si pas rien qui veut faire pour Blaise Peterson. Et dans même dossier, on va avancer des Ibanez ensemble pour qu'on gal analyser et questionner là. Eh bien, gagné chargé d'affaires Haïti dans le pays Chili, Woodley et Simon, qui étaient rencontrés dans la date 10 septembre 2024 là. Plusieurs responsables chiliens pour discuter sous situation et sécurité en Haïti. Dans le cadre échangio, eh bien, avec, monsieur Eduardo Serna Lozano, lui-même qui est directeur général police investigation chilienne, non, PDI. Eh bien, là, ils ont discuté son éventuel soutien police nationale d'Haïti à l'avis du pays Chili en tant que pour le support pal avec la police nationale d'Haïti dans le cadre renforcement de la sécurité publique qui a fait dans le pays d'Haïti, bon côté la police nationale d'Haïti et nous connaissons la mission qui s'est rivée. Établir sécurité, la paix en la paix en des Ivenesses. Qui donc, je dis en là, vraiment, qui en pile disposition et capran pour nous dire des Ivenesses, pour permettre que y arrive gérer question insécurité en la pays. Dans même dossier ça des Ivenesses, gagne une police nationale d'Haïti, direction départementale police Nord-Ouest, qui mettait en sikile dehors lundi, qui c'est 16 septembre 2024, là. Qui ça a dit dans sikile ça? Mais direction départementale police Nord-Ouest, dans quatre batailles à mener contre insécurité. Attendez bien. Direction départementale police Nord-Ouest, dans quatre batailles, y a mené contre insécurité sous toute forme, dans département ça. Sous thème police population, lancé une série formation pour tout chauffeur moto avec machine, yo, dans l'idée, mais pour former yo contre insécurité. Sécurité routière dans le département Nord-Ouest. Dans ce sens, il a lancé un séminaire formation qui a fait dans le lycée Tetilien Guilbo dans dimanche 29 septembre 2024. Nan, soit 1h30 dans l'après-midi pour arriver 5h30 dans l'après-midi. Il y a tout chauffeur à la ronde Badé pour améliorer la sécurité routière dans le département Nord-Ouest, pays d'Haïti. C'est tout Clevens, directeur départemental de police Nord-Ouest, qui mettait notre ça dehors, Désir Venesse.
toujours des Ibanez dans question moun ki boule et nan explosion camion citerne Gaza nan nous capable di la nan Miragwan nan zone Calbassier samedi 14 septembre 2024 lan. Donc on est que sous place te plus que une dizaine moun ki te mouri ki te boule kankan et te boule mouri et que pli on quarantaine l'autre ki yo même te boule et en urgence que te couri avec yo l'hôpital soit que l'hôpital c'est Boniface, l'hôpital c'est Thérèse ou bien t'avè ou Kaitou et que te entré dans Port-au-Prince et nous connaît PM ga ekoni te dépêché rapidement arrivé nan Miragwan pour aller rapidement prendre et elle prend quelques green moon parce que pas de cap prendre tout et bien n'apprend que désir dans moins que 24 heures gain 2 sous 5 moon qui t'est brûlé eh bien qui t'est brûlé dans explosion et camion citerne yo même qui t'est hospitalisé dans l'hôpital Immaculée Conception dans Okaï et bien gain 2 sous 5 moon dans moun sa yo qui mouri désir elle dit bon m'te prévoir ça parce que les m'a regardé vidéo Jean que gade moun yo boule dans 3e degré et presque à 80-90% Jean moun yo te boule hein m'te déjà attendre que gen nan moun yo qui et qui pas vivre là c'est fond de bagarre la clé qui pas vivre mais m'te toujours nous dit n'a répéter mes amis problème éducation maintenant qui pas fait problème misère problème grand goût problème souffrance mais fait peuple là libre exposer la ville parce que li nan besoin parce que li nan misère parce que li nan des situations difficiles et c'est ça qui arrivé moun nan Calbassier nan Miragwan malgré danger qu'on est gaz dans capable causer oui mais ça pas empêcher que gen moun ki ala avec bokit gen moun ki ala avec galon chauffeur moto calé avec moto yo qui pour montrer comme si que j'ai une situation lui-même, li vraiment misère, grand goût, souffrance, calamité, me fait peuple haïssa exposer même la ville. Et d'après le désir, c'était en décembre 2021, les que ça t'est arrivé dans la ville cap-haïtien, et nous songeons, plusieurs dizaines nous t'es mouru, même j'ai avec ça arrivé dans Miragwan dans des événements. Ça veut dire là, mais j'en dis, hein, sous cinq mouns qui t'es, et on dit, hospitalisé dans l'hôpital Immaculée Conception au Kai, gen deux mouri, et trois autres moun yo parents yo a mandé avec autorité de dégager Koumet Jean-Jacques pour capable exactement river mais sauver la vie trois autres moun yo désir venir ça. Nous va venir avec et ma conscience du bagage nous désir. Bon, la situation bon c'est que question et Miragwan non, li attire attention paquet moun et nous doit continuer parler de li chaque jour qui cap dit moun yo. Je dis on besoin plus que prudent parce que galon gaz que ou pral prend dans camion citerne là, il a fini utiliser le mais il a continué besoin la vie. Si yo échoué pendant au grand prendre, il a perdu la vie honnête et autorité au besoin arranger pour faire sensibilisation pour montrer moun dans quel niveau ça danger pour éviter pote bourré sous camion citerne qui transporte gaz même que Otawel fait accident. Et gagné premier ministre docteur Gaïkoni qui annoncé que pays a pral gagner hélicoptère surtout pour capable sauver la vie par rapport avec situation difficile pour t'al retirer moun sa yo nan Miragwan nan situation difficile qu'elle te trouvé. Et bien, tu vas la mer tu gagne congé. Bon, ça n'est pas hélicoptère de combat, c'est hélicoptère d'évacuation. Ah, mais ok. Un hélicoptère ordinaire. Eh bien, nous mettons un hélicoptère de combat, tu veux dire. Bon, faut qu'il y ait un hélicoptère de combat, parce que je veux dire, hélicoptère de combat, c'est important, parce que c'est pas tout un abri accident. Parce que, pas oublier tout des immenses si émotions. Si t'es que sécurité, m'a pas menti, en pile, nous t'as bien qui va te prince. Non, mais tout, accident, et pas ça va la priver. Il va traverser tout. Et si tu es gagné la vie, tu es gagné travail dans le pays, ça va la priver tout. Ça va, mais qui ça fait ça va la priver si tu es gagné sécurité? Parce que camion, c'est sous bateau, oui, il t'a rentré dans Miragwan. C'est sous l'homme, oui, il t'a passé. Il t'a passé par route normale. C'est vrai, tu as toujours gagné accident. Mais est-ce qu'elle t'a privé tout? Parce que le chauffeur a pratiquement sorti dans le port, il est obligé à faire excès pour le cas privé à tant qu'il décide d'aller. Ça fait nous dire que la question insécurité à l'Iba en pile problème. Selon le premier ministre, Dr. Gaïkoni, dans le cas de réponse à l'explosion, Miragwan, samedi 14 septembre 2024, là, dans le gouvernement, nous campons solidaires avec la population. Dans ce sens, moins te déplacer à le poté coller à l'autorité sous place, pour bailler réponse plus rapide à Xilayo qui victime. Des hélicoptères qui te mené moins dans Miragwan, non, et te profiter, rentrer Port-au-Prince avec 6 personnes qui te boule grave pour être capable de recevoir soins que tu as nécessité. Toi, dans la journée dimanche 15 septembre,
Il y a 24 autres monde qui étaient boulé grave, qui étaient arrivés à traverser route nationale numéro 10, en bas contrôle police nationale, et en bas contrôle police nationale, et puis à la grâce à support ambulance. OK. Il y a une quantité matériel urgence distribué. OK? Dans le moment, il y a profité de toutes les personnes pour distribuer y a ensemble des matériels urgence parce que c'est environnement pompier, autorité nous gagner. Il aurait été temps que c'est là que mal arrivé. Il y a connu que l'hôpital a besoin de matériel pour être capable de servir. OK? Quand c'était matériel, ça a été distribué, c'est dans l'hôpital de l'État qui trouvait le Niagouane avec l'hôpital qui est dans Okaï pour qu'il y ait des gens qui voulaient aux soins. PM de continuer à parler. Non, point 5. Il dit gouvernement déjà. Collaborateur nous désirons qui a venu avec ensemble déclaration et détails que PM Garikouni lui-même après qu'il était déplacé en urgence pour aller et dans Miragouane avec équipe li à équipe la Croix-Rouge pour jamais pour ne pas jamais arriver dans situation comme ça elle fait quoi nous déplorer moins incident ça yo encore pays a pas capable encore précaution pas capon c'est ça premier ministre docteur Garikouni partager ce qu'on XBS Peterson. Je l'ai dit à l'aise, haïtien dans la diaspora aux États-Unis, mes amis, et continuez serrer les rangs. Continuez coller les épaules. Continuez faire coude à coude là. Je dis, regardez, yo trois discriminés nous, c'est pas jodi seulement. Yo gen l'autre a discriminé nous. Yo gen l'autre a ba nous des propos racistes. Bien que je dis, et dans lundi était 16 ans, président actuel États-Unis, Joe Biden, monsieur dit, États-Unis gè place pour tout le monde. Joe Biden dit États-Unis gè place pour tout le monde. Il dit tout le monde qui vient aux États-Unis débile li respecter les principes, li avancer le travail, li capable faire succès, li capable réussir. Pas gè monde qui vient prendre place aucun monde aux États-Unis. Ça c'est parole Joe Biden actuel président États-Unis. Donc monsieur est certain, ouais mais système dit ça. Joe Biden dit, États-Unis gè place pour tout le monde. Il apprécie voir tout le monde et tout le monde capable de faire succès et faire succès de pousser contre qui sont besoin et qui sont vle. C'est ça, monsieur dit. Et Haïtien, comme je dis, continuez solidaire, continuez pas prenant de propos discriminatoires, ça y est. Restez focus sur ça que nous-mêmes nous voulons, ça avance, respectez les normes, respectez les principes, désirez-vous, je dis ça. On allait dans ce pays, avec papa la police, non? Qui a présenté un bilan qui est vraiment long et bilan m'a invité chaque zami 30 ans 35 pour entendre et bilan ça que la police dans ce pays a présenté dans quatre opérations qui ont mené dans divers côtés et j'en dédiant plusieurs bandits 400 maroso arrêté plusieurs bandits Gressier Boudba et Team 103 zombie bébé Bougoy Kilibwa cal caché dans grand sud pays alors dans sud pays arrêté gè prend balle gè zap qui saisi et en passant muscadé frappé monsieur frappé on c'était des petits basses petits babas m'a connait j'aurais les monsieur muscadé mettez dans ménager monsieur dans Miragouane selon ça que nous apprendre mais entre temps on venir avec pour la police dans sud pays qui va nous des détails concernant bilan opération que la police mène dans sud pays d'Haïti dans sud là. Non, Chantal. La police a plusieurs présumés bandits que l'a arrêté dans le département qui sorti en provenance de Port-au-Prince. Parmi lesquels, nous avons Sagaï Norwens, qui a 26 ans, qui a arrêté Berjo. Sagaï Norwens fait partie d'un gang qui a fonctionné dans Neret à Port-au-Prince. Il a Charisme Lucner, qui a 33 ans, qui a arrêté le 18 juillet. Il fait partie d'un gang qui a fonctionné dans Keskov. Keskov, Gagne Gazon Watson, alias Schneider, qui a 26 ans. Sherry Kenson, alias Zaza, qui a 34 ans. De M. Sayo même, il fait partie d'un gang agressier. Il est devenu établi basé dans Chantal, la caille Teliska, Joseph Jousselin, qui a dit non, vive la vie, qui est un marchand de bolette, côté Nex Sayo, devine bouler l'argent la caille. Qui débat de M. Alcacha d'ailleurs. Puis devant nous, nous avons à Renault. Gen Exeme Richardson, qui a 24 ans, que la police te mette mes souris dans Renault. Nous avons l'autre individu encore qui sorti pour Prince, que la police te mette mes souris dans le département. Ça a été fait Berjo le 6 août, côté gen Dalin Gentiné, 25 ans, qui fait partie de un gang qui sorti Carrefour. Gen Jean-Baptiste Marc-André, 32 ans,
qui est dans un gang qui est sorti Carrefour. Carrefour, hein. Il y a Chantal, la police de l'opération, côté gagné Muso Wilson, 23 ans. Il fait partie d'un gang à Martissan. Il y a Joseph Thiems, alias Tipiti, qui a 33 ans. Il fait partie d'un gang à Martissan également, que la police a arrêté dans son Tobek en date 18 août. Nous avons arrêté au évadé de prison en date 8 juillet 2024 dans l'hôpital Immaculée Conception au Caille. Il est Mazil Rénal, il a 44 ans. Le monde qui a arrêté pour braquage, association de malfaiteurs, le 15 juin, alors pour le mois de juin 15 au 21 juin, il a été arrêté à Ducis divers, Juno, sinon qui continue là.